Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour l'épisode 39 du Let's Play de Retro Simulator 2 en compagnie de Kaya, Farah, Rick et Wowie. Coucou. Et on se reprend pour la suite du trajet qu'on est en train de faire, parce que je vous rappelle qu'il y a deux vidéos, hein, où j'ai fait une vidéo en solo. La dernière, c'était pour tester le mode de Kaya. Et bien cette fois, on reprend le trajet où on était, c'est-à-dire on était à Bayonne, et on termine notre tour entre guillemets d'Europe pour revenir à Rennes. Et pour ça, on a décidé d'avoir une petite mission spéciale qui est d'emmener du bétail qui est juste ici. Par contre, le bétail n'a pas l'air de bouger trop dans la rue. On a pris Wowie. Des belles vaches. On a pris Wowie. Mais elles bougent pas, les vaches là-dedans. Elles sont mortes ou quoi? Non, elles sont paniquées. Elles sont paniquées. Pour ça, elles bougent pas, elles se disent oh là là. Alors, je vais éviter de chercher ma remorque. Alors, je peux passer à travers vous parce que nous sommes sur le lieu de récupération des missions. Voilà. Et donc, petit trajet. Alors, combien dure le trajet pour combien de distance il y a ? 700 km. Ah oui ! Donc, on traîne pas là, on speed là, attention. Ouais, il y en a pour une demi-heure si on traîne pas. Si on traîne pas. Et là, je te dis, c'est pas gagné. Et ben, allons-y dès maintenant. Il va falloir que j'aille faire une pause. Ça commence bien. Très prochainement. Ah, pareil. Ça commence bien. Alors, c'est possible que moi aussi, au final. Dans moins de 10 minutes. Voilà. Ah oui, moi aussi, au final. Entre qui dans 10 minutes ? Moi tout va bien, c'est marrant, et en plus mon camion est à 0%. Ah bah ça y est, il est voilà. Plus à 0%. Il est déjà rentré dans une voiture, ça y est. Bon ça va, t'as pas tapé fort. Oh bah par contre là t'as tapé fort, oui. Bah, elle a esquinté un pauvre camion qui était en face. Un petit camion de livraison, c'est un petit véhicule. Elle a rien là. À foutre. Un camion de glace, elle l'a défoncé mais Ah j'aurais pas dû dire ça, c'est le karma. Elle lui a rayé la carrosserie, tu verras, je sais pas, t'as combien de pourcents déjà là, 5, 6 10. N'écoute pas, Kaya vient de faire la même. Ouais, j'étais en train de mon GPS et puis Moi je suis coincé parce que j'ai pas pris assez large. Alors, essaye de prendre un peu plus large. Bah alors t'es coincé? Bah c'est à cause de toi, je suis derrière toi, tu fais n'importe quoi. Oui, c'est ça que à cause de après, moi. Après il y a la queue devant l'entreprise, du coup je suis obligé de tourner sec et donc du coup bah je suis une connerie. Voilà. Au passage, je vous rappelle le jeu habituel hein, qui était de trouver la citation du film qu'on va vous citer maintenant. Enfin la citation, pas le film. Et en l'occurrence, c'était la dernière fois, on avait dit... Je n'ai confiance qu'en deux personnes, la première c'est moi, et la deuxième, ou la seconde, c'est pas vous. Voilà, il s'agissait des ailes de l'enfer. Nicolas Cage. On aura alors je sais, ça n'a pas trop rapport avec le transport, enfin, en tout cas la citation elle-même. Oui. Par contre, le film, avec je vous assure que c'est très... Seconde chrono, ouais. C'est très très transport, hein, le film. Ah. On aura quand même fait beaucoup de Nicolas Cage. Hein. Et comment il s'appelle le chauve là qui était avec lui là machin le John Malkovich. Ouais John Malkovich. Cyrus le virus là, c'est ça il s'appelle. Oui. John Malkovich qui joue dans le film Chambre 1303, non c'est pas ça? Ouais, il joue aussi dans la tête de John Malkovich. C'est vrai. Un film qui a déjà 20 ans aussi, celui-là. Bref. Attention le camion. De la voiture. Donc allez-y, hein, passez devant. Je vois que là, il y a Farah et Kaya qui sont loin devant déjà. Moi je suis derrière la police donc je fais attention à pas faire trop de conneries. Kaya, il avait le pied, Kaya, ils sont en retard. Et vous avez vu d'ailleurs au passage les viewers que mon fric va très très vite puisque j'ai beaucoup de salariés. Et qu'en l'occurrence, aujourd'hui je suis plutôt gestionnaire de salariés plutôt que camionneur. Vous allez voir que très souvent, en fait, il y a du boulot qui va arriver, il y a machin qui a terminé. Kaya, lève le pied. Tiens, encore un, 9900, vous avez vu? Lève le pied. Non, lève pas le pied, j'arrive. Ouais, mais attends, il y a nous aussi. Oui, alors pour vous, oui, mais moi, c'est vrai que je suis loin derrière vous au final. C'est vrai qu'on se distance quand même super rapidement. Il suffit que tu vois, un ou deux camions laissés passer. On s'attend au péage, je veux dire. Ouais. Il y a un péage devant nous, on s'attend là. On paye et on bloque le péage à la suite. Bah non, si tu bloques le péage, j'ai toutes les voitures qui vont se bloquer avec, ça peut nous arranger. Ah oui, c'est vrai. Bon, arrête, on s'attend avant le péage. Alors, au passage aussi, je précise pour les viewers, parce que là, on vous a donné la réponse de la dernière vidéo. On va peut-être pas le prolonger, ce challenge. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a terminé notre tour d'Europe. Enfin, on va le terminer dans un instant, en tout cas, j'espère. Si c'est pas le cas, j'aurais l'air con. Et donc, si on l'arrête, et ben du coup, on aura plus de. Ah bah, si c'est pas le cas, tu diras l'énigme à la fin de la vidéo. Exactement, oui. Voilà. Avec Kaya, on s'est arrêté à droite avant le péage. Ok. Voilà, un camion, vous avez vu, hein. Alors moi j'enlève. Je sais pas ce qu'il y a devant moi. Oui, qui arrive. Voilà, au transport. Ok, ça. Voilà, ça c'est fait.
Vous aurez tout vu. Ce qui m'embête, c'est qu'on voit pas trop les vaches en fait dans le camion. Je sais pas si vous regardez, mais il y a rien en fait. Il y a juste des ombres. Mais elles bougent pas. Je suis déçu. Dans Farming Simulator, c'est beaucoup mieux quand même le transport de bétail. Oui bah. Et c'est juste une marchandise, non? Oui, c'est vrai. J'avoue que c'est une marchandise, mais vraiment comme un objet. Il y a le gars du qui est en train d'arriver. Hop. Ouais, on exactement. Avance. J'en reviens au intérieur parce que j'étais en train de montrer les. Justement la tronche de la remorque au viewer. Là, on prend chacun une voie. Bon, ce qui est bien, c'est que quand Wobby est devant, moi, elle peut même faire le coup d'essayer de passer sur ma voie. Bah oui, c'est toi en plus qui a fait ça là. Non, excuse-moi, j'étais avant toi. Si. On l'a vu dans la vidéo. Non. T'étais sur une autre voie, et moi je m'engageais sur la voie d'à côté, et toi d'un coup t'as changé de voie. Voilà ce qui s'est passé. Je sais que je me suis déplacé un petit peu vite, mais ça n'empêche que j'étais pas arrivé pour mes services. Mais y'a pas de ça n'empêche ou quoi, si tu t'es déplacé un petit peu vite, c'est tout. C'est tout, ça t'arrête là. Tu sais qu'on avait l'air con tous les deux pour essayer de passer. Bref, on a fait le tour d'Europe pour ça et tout. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, Kaya? Elle voulait te dépasser pendant que je t'ai passé. Ça fait penser à la dernière vidéo. Hein. Je sais pas si vous avez vu la fin de la dernière vidéo. Mais je vous la conseille vraiment. Travaux à droite. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pénétré quelqu'un d'autre. Serré à gauche. Ah oui. Ils ont perdu un avion. Alors, j'étais pas là, mais je sais. Je sais pas sur la boîte gauche, j'étais maintenant. Parce qu'il y a toutes les voitures qui sont arrêtées parce que vous doublez tous. Oula. On repasse devant. Vous avez vu le. Oh, les viewers, je sais pas si vous avez vu. Il y a Kaya, prochaine aire de repos, si tu peux t'arrêter. Oui. Je vais montrer au passage. Ah, en plus, c'est un. Comment ça s'appelle truc français là, le marque français. Un Mirage. Comment? Un Mirage? Un Mirage. Mirage, c'est, beau, c'est pas un avion. D'avant. C'est pas le truc un avion. Un avion. Non, moi ce que je disais, je pense que c'était comme avion. Un supersonique, j'en sais rien. Un Mirage, un Falcon. Un Falcon? Un Falcon. Ouais. Non, c'est pas un avion de guerre le Falcon. Oui, il est les jets privés. Oui, et puis dedans il y a Chewbacca et l'autre. Ça, c'est un faucon. Non, ça c'est quand ils sont Millennium. Millennium c'est 1000. Nous c'est le Mirage 2000 qu'on avait. Mirage 2000. C'est pas loin. Hein. Oh. Là c'est le Falcon 1000. Mais bon. Ah, il y a Rick. Alors, Rick, je suis derrière toi, j'ai tout vu. Hein. Ouais, oh putain, ça a touché. Putain. J'ai eu du pot. J'ai esquivé. Bah oui, ça s'appelle. Tiens, oui, c'est pris la porte. J'ai tout vu. C'est quoi? C'est quoi par-dessus? Non, putain. Non, rien. Non, bah, oui, il a voulu faire des serrés. Serré à droite, on s'arrête là pour dormir. Oui, il faut serrer à droite, faut s'arrêter là pour dormir. J'ai fait taper aussi, moi, parce que. J'ai fait un truc de fou là, moi. T'as rien pris du tout là. Bah, je laisse passer avant. Oui, parce que c'est. Kaya, pardon. Merci Kaya, c'est très gentil de ta part. Ah Kaya, moi j'arrive, tu sais. Il a tout pris. C'est bon. C'est bon. J'ai des airs comme toi, si on me rentre pas dedans. Hop, il y en a un qui recule là. C'est bon, ça passe. Je vois rien du tout là. Attention. Moi, c'est pas grave, je suis pas très fatigué, donc je vais attendre le prochain. Ah, on n'a pas les Pac-Man ici. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'on fait gaffe à pas se rentrer dedans. Ouais. Attends, qu'est-ce que tu fais, où tu vas là? Ça a touché là. Non. Y'a Rick qui fait des manœuvres insensées hein, devant pas moi. Pas ce qu'il fait, Rick. Bah, je voudrais bien me coucher, mais. T'arrives pas? Non, y'a rien. Bah, là, le long là, quand tu te mets dessus, ça marche pas? Y'a rien du tout. Bah attends, oui, il a réussi. Est-ce que t'as réussi, Farah, toi? Non, moi j'ai pas réussi, moi. Non, moi j'y vais. Attends, qui c'est qui a réussi à dormir? Personne. Bon, alors, on y va, on va prendre le prochain, y'en a un juste après. Peut-être qu'on peut pas dormir en fait. Non, mais y'en a un juste après, venez. Oh, y'en a un juste après. Ah, c'est bon, attends, je l'ai, moi. Moi je l'ai, je prends. C'est au bout en fait, Rick, c'est dommage. Je viens de le prendre. T'as vu où j'étais, Farah? Bah, ah, mais on double pas la droite. Ouais, mais y'a une station juste après. Oui, on va s'arrêter quand même à la station, mais puisque j'y étais, je me suis dit autant le faire, comme ça j'ai pas vous embêter. On est pas rendu. Là le bordel vous avez vu pour s'arrêter les viewers. Air de la porte des Landes. Ça va oui ou quoi là je t'entends en train de pousser. Non mais son système d'aération dans son captar qui est. Ouais c'est ça. Est cassé, donc elle a posé chapeau de Kaya devant là.
n'y a plus de filtre. C'est pour des jeux partout. Kaya. Ah, je vois. Vous voyez, c'est que je suis à 10%, donc ça y est, j'ai mis partout. Ah, c'est de l'autre côté. Que. Ah non, c'est pas de l'autre côté, bon, dommage. Alors, comment la 500 s'interdit ? C'est pas là qu'il faut aller. Putain, c'est une belle aire par contre, hein, celle-là, vous avez vu ? Ah, c'est là. Ah non, c'est bon, d'accord, je pensais que c'était l'entre vous, qu'est-ce dont je suis confus, c'est une citerne, c'est pas du tout. On peut même prendre de l'essence aussi, alors pour info, au niveau essence, moi je suis bon, j'essaie de pas toucher, voilà. Ok. j'ai pris mon café. Là. Moi aussi. Faire. Vous avez réussi à dormir ? Ouais. Ouais. Farah, c'est bon, t'as dormi ou pas aussi ? Ah ouais, c'est bon. Nickel, bah comme ça on va pouvoir y aller, tu vois. C'est un petit peu plus qu'ailleurs. Moi je m'arrête à l'essence puisque j'y suis, hein, voilà. Ouais, oh, pareil. Bah c'est bon, c'est fait. 51€ pour te dire, hein. Kaya. Oui. Okay. Il a remis le micro, il a oublié. Oui. Allô ? Avance un peu plus, s'il te plaît. Ici, hein ? Avance plus, s'il te plaît. Pourquoi tu veux avancer plus ? Tout de suite. Sinon ça bloque tout le monde. Allez, ça c'est encore le sapin là, tu vois. Ouais, je sais ça, je savais que ça c'était le sapin. Tu vois, si je laisse pas passer Eric, tu vois, tout de suite, hein. Non, par contre, le deuxième, par contre, non. Quoi. Pas déconner, parce que je m'en fous, je vais vous gratter juste après. Ah, c'était une zone sans collision pour info, je l'avais pas vu. Faut toujours laisser passer. Si je l'avais su, je serais passé pour info. Parce que la surprise de Farah qui nous a fait la dernière vidéo, quand même, celle-là, je voudrais pas que ça m'arrive aujourd'hui. Hein. Parce qu'avec les vaches et tout, ça va faire un sacré bordel. Oui, les vaches, on va faire des tâches. Ah bah là, on va retrouver des têtes de vaches, tu vois. Il y a des têtes, des pattes, des enfin, tout. Dégueulasse. Ouais. C'est ça. Bien, et bah on avance doucement quand même au final, hein, parce que bon, à force de s'arrêter pour les péages et pour dormir. Bon, on a déjà fait 100 km quoi. Ouais, mais là on va encore s'arrêter encore une fois. C'est un piège à 3000 mètres. 3000 mètres qui passent en 10 secondes. Voilà, alors, quelle voie on va prendre ? Moi je prends la voie. T'as vu, là je me suis même pas pris la barrière. Bah j'ai pas vu justement, c'est dommage hein. Bah. C'est 30 maximum le télépéage. 32 ça passe. Ouais, oui, 35. Bah, en fait, le problème c'est que Farah a levé la barrière juste devant moi. Du coup, elle était déjà levée, donc en fait, je pouvais passer beaucoup plus. Hein, c'est le problème. Je voulais pas prendre trop le risque d'aller trop vite. Puis évidemment, ils te disent 30. Hein. Si tu vas à 31, c'est la mort maintenant. Ah, ça m'est arrivé une fois à un péage. En vrai ? J'arrive, je suis tranquille au péage, je paye, la barrière s'ouvre, je passe, j'entends la sirène qui se déclenche. Les gendarmes qui étaient juste là en train de se précipiter, etc. Il y avait une bagnole en fait qui arrivait, qui s'est collé à mon cul et qui est passé en même temps que moi. Ah bah c'est mort. T'as tapé mais c'est bon. Ouais ça va. Je te l'ai dit Kaya, fais gaffe. Il y a une remorque. J'ai essayé de freiner, je me suis fait tasser. Attends. Je t'ai laissé la place hein Kaya. Ah non, tu as touché, tu as touché. C'est Farah qui allait accélérer. Ok, il a laissé un plomb en plein milieu le Farah, le Kaya, il s'en fout. Roule dessus, alors visiblement il y a eu un feu, là il y a eu un sacré bordel. Ah, un deuxième coup, tiens. Merci Kaya. Et on est reparti, voilà. Ouais, donc pas mal de perturbations, on va dire, sur ce trajet. Je sens qu'on va être en retard encore. Oh là là, je vois de loin là, le convoi de camion là. Ouais, moi, j'ai hâte de voir s'il y a un accident là, ça va être cool. Je suis capé à 79 moi pour vous me rattraper. Hein. Ouais. Bah, ah, moi je fais. Je dépasse un tout petit peu les limites. Pas grand chose. Tout petit peu. Bah c'est Eric en fait qui est derrière. C'est ça non ? Non, non, oui, Eric, Gadu, Kaya et moi. Bah Eric il est où ? Eric il est entre Huawei et toi. Il est derrière toi. D'accord, donc c'est Eric à mon avis qui traîne. Parce que Huawei elle a pas de limite comme moi. Donc c'est Eric en fait d'être à 90. Tout le monde peut. Je suis à 90. Oui, je sais bien. Je sais bien, mais nous on peut aller au-dessus, c'est génial. Ah là, je suis rattrapé, c'est bon. Hop, allez. Voie de gauche. Et ça passe. Ouf.
Bah ouais, ça passe. Tranquille. Oh putain. Oui, non, mais Farah, il adore faire ça, faire le serpent comme ça devant. Bon, toutes les fois où tu me le fais. Alors, déjà, c'est la kayak, tu le fais, c'est pas moi. Kayak, ce que je te propose, c'est que chacun de son côté, ouais, on lui tape dedans et on regarde s'il vole. Ça, ça fait penser à François Damiens, qui est moniteur d'auto-école pour ceux qui connaissent. Vous connaissez François Damiens ? Il dit on va monter à 190, 200, 210, et puis on va donner un grand coup de volant et regarde comment tu réagis. Oh, oh, faites gaffe, il arrête un camion, mais là. Ah, ouais, oui, il est en train de nous doubler, attention là, ça peut faire des dégâts. Mais non. Bon, tu connais pas Farah. Alors là, tu connais vraiment pas Farah. Mais non, Farah, non, tu vas pas faire ça avec moi quand même. Merci Farah. Non, non. Oh, oh tiens, oh, c'est lui qui vole. Oh yes, oh yes. Oui, oui, un deuxième accident. Alors là, c'était beau. Attention, Rick, ça freine. Bon, c'est bien parce que j'allais justement demander à quel moment vous alliez respecter les limitations de vitesse pour que je puisse rattraper. Merci. Ça a tapé sévère. Je sais pas, ils ont perdu combien, mais je sais que Huawei et Farah ont bien volé. Quoi. Mais on est retombé sur nos roues. Alors, combien vous avez perdu? Ah, tu m'as frôlé, hein. Non, Farah, toi d'abord. Attends. Alors, je crois que Farah, c'est beaucoup la SMI, j'ai l'impression, mais après le... Parce que ce qui est bizarre, c'est que Huawei, t'as réussi à bien taper dans sa SMI. D'habitude, en fait, c'est le camion qui suit qui prend tout. La SMI prend rien. Et là, je crois que vu comment elle a volé, je pense que. 25 sur le camtar, 61 sur l'armorque et 30 sur la marchandise. Parfait, parfait. F7. Accident devant. Sur le camion. 15% sur la semi et puis 12% de marchandises. Bah ça va, donc au final c'est... Oh putain, il y a quelqu'un qui est en train de tout frotter là. Oh putain, il a frotté l'accident. Au final j'ai gagné t'as le... T'as ouf toi mon gars. Moi j'ai rien fait moi. Moi je suis sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse. Au final j'ai gagné la pousse. Il y a quelqu'un qui essaie de me pousser. Mais Kaya fait du stock car. Au final j'ai gagné l'affrontement. Ouais, exactement. Pour une fois, ça fait les pieds à Farah. Toutes les fois, il m'a fait le coup. Oh oui, t'auras pas. Mais c'est Rick, il sera pas sur moi, là. Bah, attends, je suis loin, Farah. Je suis loin, t'es toute petite dans mon rétroviseur, attends. Accident. Accident. Arrête. Je sais pas, je suis un peu loin pour voir le carnage. C'est bon. Bah, je me dépêche. Bah non, mais tu... Je vais rentrer dedans et maintenant je peux plus rouler. Ah non, c'est pas moi. Je suis désolé, c'est pas moi. Un mauvais fonctionnement du moteur. Oh, c'est pas moi, non. C'est un foot queue de poisson avec le camion qui est à côté. Je pense que ce convoi va en droite. Oh putain, faites gaffe. Accident, vous prenez mes moteurs. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'elle m'a foncé dedans encore là. Dégâts 12%, merci. Alors je sais pas tout à combien, j'espère que t'as bien morflé. Il y a des faux moteurs. Heureusement, c'est mon moteur qui s'est arrêté. Ouais, ça, moi j'ai. Ouais, ça va. Qui ça? Ah bah vous avez l'air des faux moteurs, ça, c'est sûr. À 45%. Tu parles de moi si j'ai bien morflé? Oui. Zéro. Tu vois, comment ça se fait que moi c'est. Pourquoi ça se fait qu'à chaque fois les autres ils me font, moi je fais rien? Oh non, moi j'ai pas fait ça. Attention, accident sur le bas côté à droite. Non, dégage. Hey, tu viens de me bourrer dans la barrière. Ricky préfère partir dégage. Devant lui. Ah oui, moi moi on échappait, moi, là ça y est, j'ai pris l'échappée. Hein. Putain, Rick, tu vas voir, il y a un camping-car qui va te doubler, il roule comme un taré. Non mais j'ai vu, il y en a qui roulent à 150 dans un camping-car. Regarde, il arrive, il va te doubler. Hein. Il roule super vite, le gars. Bah, il y en a comme ça. Oh purée, oui. J'ai klaxonné, mais il est pressé, le gars. J'ai un record à battre. J'arriverai premier au camping des fous. À mon avis, il est poursuivi par la voiture blanche qui suit. Moi, je pourrais pas arriver jusqu'à destination. Oh putain, t'as combien toi, Kaya? J'ai tout le camion rouge. Mais attends, mais t'as combien t'as perdu là en fait? J'arrive beaucoup. Mais comment aussi rapidement? Mais t'étais déjà bien esquinté. Bon bah, je vais être en retard parce que je dépasse pas 83%. 83%. J'ai pris ton cul quand t'as ralenti.
Bah, c'est pas une raison, je t'ai pas mis 100% d'un coup, Gaïa, c'est pas possible. Je dépasse pas 4. Ouais, quoi, 83. Tu la mets, tu la mets. Farah, t'as combien déjà de moteur? De quoi, mon tracteur? Oui. Mon tracteur, il est à. Ah putain, attends, je me suis trompé de bouton. Teinte, Limoges. Mon camion, mon tracteur, il est à 27%. Bon, ça va encore 27. Ah ouais, moi, il est à 45. Oui, donc t'as, ouais, oui, t'as plus morflé que Farah, en fait. 27%, mais niveau camion, oui. J'ai des problèmes moteur. La Rochelle. Ah bah oui, c'est j'ai beaucoup de problèmes. Mais moi, je suis à 83 km/h max. Je vais dépasser. Voilà. Tu l'as pas vu venir celle-là, hein? Bah si, il a problème parce que j'ai esquivé. T'as vu, j'ai feinté, je suis parti d'abord à droite pour partir à gauche. Fais gaffe. Il y avait une copine à Sainte. Fais gaffe, Rick, il y a Gadu qui arrive à fond de balle derrière. Rick, il a pas été beaucoup animé. J'arrive. Je suis à 148 là avec le camion. Vous pouvez pas ralentir un tout petit peu? Non, je vais ralentir, je vais ralentir. Je vais pas rentrer dans Rick, il est gentil. Enfin, en général. Ok. Oh. Non, c'est vrai, il est gentil. Hein. Alors, pas toi. Parce non, que moi, je reste capé à 80 secondes. Moi, je suis à moins que ça, je suis à 40 parce qu'il y a un connard de camion qui avance pas devant moi. Mais t'as combien de kilomètres? On est à 379. Ouais, je suis à 548, super. Mais moi, j'arrive toujours pas à comprendre. 548? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fous? J'ai déjà appelé le garage, je pouvais plus rouler. Ah! Mais c'est au petit bout dans la chance, soit il t'avance, soit il te recule. Bah ça dépend où c'est qu'il est. Mais à chaque fois... Bon, proche. Après 540, c'est pas non plus la mort, t'es à 110 de nous. Bah c'était quand même... C'est pas la fin du monde, mais... On est un petit peu loin, quoi. Par maintenant, oui, mais le problème c'est que nous on n'arrête pas de s'attendre. Si lui il va au taquet tout le temps, c'est bon. Faut sortir là. Ah oui, j'ai failli me planter. J'ai failli ne pas... Oh non, dégâts de la Sonimus. Qu'est-ce que t'as fait? T'as encore fait une connerie? Non, rien. Si t'as fait une connerie? Non. Non, je... Moi faire des conneries, je rigole. C'est pour ça qu'elles bougeaient pas, les vaches, au début. Quand elles ont appris que c'était nous... La peur. Elles ont été tétanisées. On va y arriver. On va tous mourir. On va tous mourir. On a précisé que c'était des vaches conflits, ou pas? C'est prévu au kilomètre 425. Toutes les vaches pendues, c'est dans la remorque. Ouais, ils ont pas dit que c'était vivant. Bah, de toute façon, vu l'accident qu'il a fait tout à l'heure avec Farah, vu comment la remorque elle a volé, j'ai garanti que les vaches sont mortes. Hein. Je rêve, j'ai une voiture qui n'avance pas. Plus conscient. Oui, je sais, j'ai eu un problème. dans le péage, une voiture de merde qui n'avance pas. Y'a Rick qui file en tout cas. Oui, moi j'ai pris l'échappée, moi. Dégage la voiture. Voilà, ça dégage. Au revoir. T'es malade. Ouais. La Rochelle, la droite. Bah tu voulais aller à La Rochelle, non? Non, tout en sous. Dommage. Bon, enfin, il fallait faire tout le tour. Hein. On va encore arriver en retard parce qu'on a visité La Rochelle. On a déjà fait le coup. Farah, tu répares le camion ou pas? Non, je suis derrière vous. Tu répares la remorque parce que t'es 30%, tu as plus gagné grand chose là. Ah bah non, là c'est clair, là j'ai pas gagné grand chose. Bon, depuis que j'ai démarré tout à l'heure, j'ai déjà gagné 600 000 euros quand même. Juste avec mes collègues. Moi je vais encore être en négatif. Alors, je sais bien qu'on l'avait dit en déconnant, faudrait qu'on fasse une vidéo ou. Enfin, une mission, c'est le premier qui arrive. Moi je vais pas être la première avec mes 80%. Quelles que soient les règles. Ça peut être marrant, ça, effectivement. Et je pensais pas que ça arriverait si vite. Bah, le problème c'est que je pense qu'il y en a qui vont faire du stop-car, on va tous mourir en fait en 5 minutes et finir. Et celui qui sera parti premier point partie. Déjà. Mais il va se retourner probablement, il va prendre un virage trop vite, il va se retourner, et l'autre qui va arriver qui va le terminer. Enfin, tu vois. Entre un qui va traverser le rond-point, les autres qui vont tous se rentrer dedans au feu. ou qui vont le prendre à sa inverse. Voilà. Heureusement qu'il y a des règles, hein, parce que je peux vous garantir que s'il n'y avait pas de règles du code de la route, mais ce serait le bordel sur la route quoi. Enfin, peut-être que les gens font peut-être plus attention au final. Oui, du coup. Ouais, du coup, il n'y a pas de règle, tu te méfies. Et quand tu sais qu'à n'importe quel moment. Comment? Quand tu sais que. Dis, quand tu sais qu'à n'importe quel moment, il y a un mec qui peut arriver, rouler en contresens, rouler sur le trottoir ou autre, oui, tu fais beaucoup plus attention, même en tant que piéton. Tu
tu m'étonnes. Oh, 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 il y a eu des lags là, j'ai fait trembler dans le rentrer dedans, j'étais à 2-3 mètres. Je vous vois plus sur la carte là. Hein. Bah pourtant, Rick est limité à 90. Hein. Là, ah ouais, je suis limité à 83 donc. Ah bah oui, bah ça après, oui, je me doute bien. Mais ça, on ralentit, hein, on change de voie. Il y a Farah Brand qui nous rattrape là. Et ça, c'est pas bon signe parce que ça veut dire qu'il du coup, il a pris la bretelle à fond. Et qu'elle était prête à se retourner, je pense. Vu comment non, il est arrivé. Non, je roule normalement. Ouais, 90 quoi. Ah oui. Sur les bretelles. Ou t'as un rig là, c'est tendu par contre ce que t'as fait là, le virage. Enfin, j'ai eu l'impression. Du coup, c'est la forêt landaise là. Ouais. Bah oui, regarde, tout a brûlé. Et Kaya, il en est où? Baptiste. J'ai perdu ma cargaison. T'as perdu ta cargaison? Pour ça. Bah, vu qu'elle était morte. Ah, t'as abandonné carrément toi. Ah oui, il faut que le bétail il arrive vivant. Ah oui, c'est vrai que moi, vu le bon que j'ai fait, t'as les vaches, elles vont être à moitié secouées dans son temps. Hein. Les vaches folles. Bah, moi, elles sont les camps plantées dans le haut de la remorque. Tu pourras pas dire non, j'ai pas eu de problème. Il y a toutes les vaches au plafond, tu sais. Là, il fait quoi la caravane? J'ai une bosse et un ralentisseur. Parce que tu rigoles, mais ça doit être un dos d'âne. Mais apparemment, il n'y avait pas que le dos, il y avait l'âne complet. De quoi? J'ai eu un dos d'âne, mais apparemment, il y avait l'âne complet. Non, mais ça déconne, t'imagines les animaux dans les trucs là, les poulets, les cochons, comme on voit. Parce que moi, j'en ai vu des trucs de cochons, hein, ouais. Je sais pas dans votre coin, en tout cas en Bretagne, il y en a. Et vu comment ils sont serrés dedans, tu te dis, mais putain, il y a un accident, un coup de frein, un truc un peu moins quoi. Des cochons ou des camions avec des cochons? Non, des camions avec des cochons, dans la remorque, je parle. Ah, j'ai des cochons, je parle. Parce que tu dis, dans ton coin, il y a des cochons, alors... Bah oui. Il y a des cochons aussi dans mon coin. On te connaît, vrai. Donc, on le sait. Bon, il y a toi, déjà. C'est vrai. Il y a Kaya, aussi. Il y a Kaya. Farah, attention! On n'apprend rien. Ah, ça marche pas, il a pu donner un coup de volant. Ah ça, bah oui, toi qui n'as pas encore le permis. Typiquement, ce genre de conneries, c'est très efficace sur ceux qui n'ont pas le permis, ou ceux qui sont A. Tu leur dis attention, ils ont tendance à donner des coups de volant quand tu leur dis ça. Ouais, puis c'est cool, tu meurs et tout, c'est top. Après, quand t'as l'habitude, en fait, voilà. tu gardes le contrôle. Tonneau, tu gardes le contrôle et tu fais spéciaux. Tu regardes ce qu'il faut. C'était cool, c'était comme dans le film. Voilà. Bah, vous savez, j'ai une copine, mais c'est pas du tout. Ouais. Je pense qu'elle regardera pas la vidéo. Une copine il y a 20 ans, qui s'était pris des barrières, tu sais, comment ça s'appelle, là, le plan anti-machin là, qu'on met devant les bâtiments. Là. C'est les barrières qu'on met devant là pour pas qu'il y ait des voitures piégées à rentrer dedans, là, comment ça s'appelle là, les piges pirates, voilà. Bon, je vais simplifier, peu importe, c'est pas le sujet. Et donc du coup il y avait des barrières du piges pirates de notre belle rue. Vous allez à Brest, voilà. C'est ça avec une. Enfin une grosse belle rue en fait c'est une route limitée à 50 mais en ville mais toute droite, c'est la grande rue quoi, donc du coup tu peux rouler facilement à 70-80. Et ben deux fois elle a niqué deux bagnoles comme ça, deux Clio, parce qu'en fait elle arrive. Elle voit un chat, elle donne un coup de volant, elle se prend toutes les barrières. Deux fois elle a fait le coup, elle a niqué deux bagnoles entièrement comme ça. Alors heureusement elle a rien eu les deux fois. Heureusement elle avait pas bu non plus, hein, mais. Heureusement le chat elle n'a rien eu. Deux bagnoles quoi. Bah je sais pas en fait, les chats, ça on sait pas. Ah j'en ai entendu une bonne il y a pas longtemps. De blague. C'est vrai? Ouais. Pour les camionneurs, la nuit tous les chats sont pleins. Ah c'est vrai. J'ai pas compris. Pour les camionneurs, toutes les nuits, les chats sont plats. Et chez les kayakistes aussi, tous les matins, les chats sont plats. Bonjour, je sais pas. La nuit, tous les chats sont gris. T'as déjà entendu ça? La nuit, tous les chats sont gris. Ça veut surtout dire, en fait, c'est noir sur noir, ça se voit pas, quoi. Ou blanc sur blanc, ça se voit pas. C'est une expression qui veut dire, pas juste la nuit, mais bon, peu importe. D'accord. Okay. Oui, ils se ressemblent tous la nuit, c'est ça que ça veut dire. Oui, ça veut dire que la nuit dans le sombre, tout le monde se ressemble en fait. N'importe quel objet, bah, tu peux étendre et pour le truc à autre. C'est pas le sujet. Bon, bref. La nuit, tous les chats sont plats. Du coup, il a refait l'expression. Ah, c'est une blague. Celle qui fait les blagues Kimberly. Les chats sont pleins. Plats, plats. Plats. Oui, plats. Plein aussi. Bah oui, ils sont écrasés. Oh là là, mais c'est fou. Ah oui, non, j'ai pas compris. Enfin, j'avais pas compris quand même, Voilà.
Mais non. Voilà. Tiens, oui, tu connais ça, toi. Oui. Moi qui pensais que tu connaissais rien. Mais non, quand même pas. Oh. Non, je plaisante. Ah non, mais forcément, t'es plus jeune. Bah, faut arrêter, elle a 18 ans maintenant. Bah, moi à son âge, clairement, je ne savais pas grand chose. Hein. Voilà, on disait que j'étais un culte, parce que je lis pas, moi. C'est compliqué. Autant aujourd'hui, j'apprends des trucs en lisant, mais pas en lisant des bouquins. Quoi. En regardant des articles internet. Ouais. Mais ça marche aussi. Hein. Oui, enfin, oui. C'est bien de lire aussi un peu. Après, en fait, c'est si tu t'intéresses à plein de choses. C'est quand même moins bien que le papier, mais oui. Moi, je m'intéresse à plein de choses, donc du coup, j'apprends plein de trucs. Donc, quand j'ai lu Jules Verne, j'ai bien aimé. Hein. Et aussi, il doit s'intéresser à plein de choses, mais dans d'autres domaines. Ah, il s'intéresse à quoi, par exemple. C'est marrant, Kaya. Oui, elle t'a bien cerné. Mais c'est vrai que là, il vient de te casser un petit peu, quand même. Là, je vais pas dire, mais... Kaya, il doit être bon dans quelque chose, mais c'est autre chose. Bon, là, t'es limite, ça, c'est de la phara. Tu vois, je suis déboîté sans mettre mon clignotant sur ce moment. T'as voulu me sagouiner, encore, hein. Ah oui, j'ai vu que ça freinait devant, donc je me suis dit, je vais l'avoir. Eh ben non. Après, c'est dommage que je prenne pas de screen de mon camion, parce que si je le faisais, là c'est sûr que tu me ferais le coup. C'est surprise de ce que je peux savoir faire. C'est un problème moteur. Hop là. Je ne suis pas encore retourné. Moi je suis... Ah, dommage. On va regarder quelque chose. Non, je suis pas retourné. Peut-être bientôt, mais là non. J'attends que Farah soit pile derrière moi pour bien piler pour lui foutre ma remorque dans la tronche. Ah bah là, si je te rentre dans le cul, là c'est mort, je bouge plus. Bah c'est le but en fait. Le but c'est que tu bouges plus. Ou que tu voles. Parce que je veux bien que tu fasses comme Rick a fait la dernière vidéo, c'est où il a volé partout là. Bah toi aussi, bah. Il est parti, il est à côté. C'est ça. Il est à combien de kilomètres là? 114, 116. 82. 82 Attends, oui, il est parti devant en fait depuis le début. Non. Ah non, 82 km/h. Ah non, mais je parle de combien de kilomètres on est rendu. Ah oui, 158. Eh, heureusement qu'on n'était pas à 300 km, sinon on aurait dû être à 300 km/h. Ça y est, Le Mans, Rennes, Brest, Roscoff. On peut aller jusqu'à combien de kilomètres ou juste comme ça? Je sais pas, déjà avec celui-là. Alors avec mon Volvo, moi j'arrive à 149. Sur du plat, hein, parce qu'après en descente tu peux monter à 152, 153. Et celui que j'ai, celui que t'avais avant. C'est quoi, c'est un Mercedes? Ouais. Ah, celui-là il va à 120 ou 130. Pas plus. Y'en a qui existent qui vont à 300? Non. Mais dans la vraie vie, je crois que c'est juste. Ouais, oui, t'as peut-être du mal à 90. Alors à cause du nez plat qui s'écrase avec la vitesse, tu sais, avec l'air qui lui rentre dans la tronche. Oui, t'as peut-être du mal à 90, mais elle veut la 300. Bah oui. Par contre, essayez, non? Ce qu'on appelle le CX, Bobby. Tu connais le CX? Non, c'est quoi le CX? C'est le coefficient de pénétration dans l'air. J'ai eu peur. Ouais, c'est vrai. Vous ne connaissez pas? Ouais. En fait, c'est la. La Citroën CX, ouais. Aussi. En fait, c'est un truc qui te vend. En général, c'est le nombre de 0,28, 0,29. En fait, c'est un coefficient en fait qui te donne si ta voiture est aérodynamique ou pas. En fait, voilà. Plus il est faible, mieux c'est. Plus il est élevé, bah, c'est là plus tu frottes contre l'air. Donc, typiquement, nos camions qui sont bien plats à l'avant, là, ils ont un putain de gros CX de la mort. Donc, ça indique aussi ta consommation d'essence. C'est les deux. Mais t'es bien équipé là sur la voie d'à côté. Ouais, oui, mais c'est normal, avec ton shit, j'ai pas d'imitation. Ah, c'est pas un shit déjà. Si. C'est une option du jeu. Non, c'est pas une option du jeu, non, parce que moi dans mes options, c'est joué. Ah oui, les gamins, c'est une option du jeu. De quoi vous parlez? Bah, j'étais derrière lui, là il vient de partir à 140, donc il m'a l'air en train de me larguer. Là, je suis pas à 140, je suis à 132. Ah bah oui, bah. Mais c'est pas du cheat, tu désactives l'option. En prise de vitesse. Ah, mais nous, on est. Eric et moi, on est sérieux, on suit la limitation. 137 km/h. Ah oui, mais quand la limitation, par exemple, c'est. Dans les premiers épisodes qu'on était à Londres, là c'était 97. Oui, bah oui, je sais. Bah du coup, voilà. Ça, c'est pas nous, ça, c'est le jeu. Ah oui. Bah nous, c'est le jeu, c'est pas nous, c'est le jeu qui a choisi de ne pas mettre l'argent.
C'est pour ça que du coup nous on n'est pas l'option, c'est parce que c'est pour, du coup on respecte les vraies limitations du texte. Non mais que tu le fasses encore quand t'es en Angleterre, ok, mais en dehors. Non, tu respectes pas les vraies limitations de vitesse. C'est pas le bridage moteur. Voilà. Et je suis d'accord, ne faites pas ce que je fais à des viewers. Là, j'ai un petit peu pressé. Ah, oui. On est un petit peu pressé. Je pense que je vais passer en négatif avant la fin de vidéo. Ne le faites pas en vrai. Dans la vraie vie, si vous êtes en retard, prenez votre temps. Faut mieux arriver vivant un seul morceau que mort et en plusieurs mieux morceaux. Mieux vaut arriver dans cette vie qu'à l'avance dans l'autre. C'est ça. Tiens, voilà, avec cette vitesse de 1500 euros, tiens, ça m'a pris. T'es beau, hein, Kaya ? Ah ouais. Ouais. Mieux vaut arriver en retard. Quelque chose là. Ouais. Mieux vaut arriver en retard dans cette vie qu'en avance dans l'autre. Mieux vaut arriver en retard à la maison qu'en avance dans la crêperie. Ça se dit aussi. Ah oui. J'ai envie d'une crêpe. Ah, j'ai la ref pour une fois. Moi j'imagine les voitures, c'est qu'ils doublent avec personne mais devant. Les viewers, hop là. Les viewers n'ont pas la ref. Oui, ah non, ça, bah, Kaya va raconter. Ça, c'est la bretelle Maison Blanche, les viewers. Non, ça regarde personne. On a déjà fait, je crois, la dernière vidéo. Mais cela ne nous regarde pas. C'est exactement. Dis-moi ce que vous en pensez. Oula. Et là, on va vers Décathlon. Décathlon à béton, pour ceux qui connaissent. Kaya, peut-être qu'il connaît mon ami Eric Kira. Décathlon, à fond la forme. Non, typiquement, j'ai pris la sortie, je vous assure, qui a l'air de correspondre à ça. Ceux qui sont venus sauront de quoi je parle, sinon les autres diront, j'en sais rien. Voilà. Puis j'ai passé boire un coup chez Gadu. Ouais, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à passer chez moi. Je donnerai pas mon adresse, mais si vous cherchez, peut-être que vous allez trouver. C'est ça. Faut chercher aussi un petit peu. C'est deux allées de Minecraft. Bon, j'aime bien demander ça à la police. Bonjour monsieur le policier, est-ce que vous connaissez la rue de Minecraft? Disons, oui, bien sûr, c'est après l'avenue Unturn. C'est de mon collègue ou de moi que vous foutez? je me fous des deux. Là c'est pour la référence, mais bon, ça n'a rien à voir. Il y en a qui vont dire, oui, c'est quel film? Et eh ben je vous laisserai le mettre dans les commentaires quand même, je n'en ai pas la réponse. Ah bah oui, mais là du coup il n'y aura pas de. De réponse. Là c'est la fin. Il faudra juste lire les commentaires. Du jeu concours. C'est la fin du jeu concours. Mauvais fonctionnement du moteur, tiens, ça se prend ma gueule. Ah ouais. Oh, est-ce que ça tape ou est-ce que ça passe? Une fois qu'il y avait un truc à gagner. Et donc du coup qu'est-ce qu'ils ont gagné? Les vaches, on les voit. Ah bah ça, les vaches elles sont figées. Alors je suis passé dans le camion, Farah. Grâce au fait qu'on est en ghost là. Les vaches elles sont bien modélisées mais elles bougent pas. Elles sont sèches. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont gagné les viewers, Gadu? Ah bah tout notre respect, surtout le respect de Farah. Oui, c'est vrai. Et le droit d'avoir participé. Tiens, et juste pour nous là, si je vous dis bonjour ma sœur, dites-moi ma sœur, je suis en panne un peu plus loin. Alors auriez-vous la bonté ou la charité de. Mais bien sûr mon fils, merci ma sœur. Ah c'est les gendarmes et gendarmes. Oui c'est les gendarmes ça. Ouais. Ce sont les gendarmes. Ouais. Et les finesse quoi. Et que finesse, gendarme s'est trompé 1964. Par contre, après, ils ont changé la bonne sœur au 2 ou 3ème. C'est plus la même. À chaque fois qu'on a mauvais fonctionnement du moteur, du coup, on regarde, on n'a plus le GPS. Voilà. Gadu, il roule à Saint-France. Et du coup, bah, j'ai failli me planter de route. Gadu, il roule à Saint-France, mais je me mets à quai avant lui. Et ouais, on est bon ou on ne l'est pas. Bon, mais j'arrive pas à me garer là, au contraire. Là. Comment ça se fait? Ah, c'est bon. Bah, t'as fini, Farin? Ouais. Oh, bah tiens, je l'ai en endommagé. C'est marrant. Moi, je suis satisfaisant. J'ai eu moins 3000, mais bon. Eh ben, j'ai eu que dalle. Zéro. Et je suis presque 33, je suis 32, 9 dixièmes. Ah, moi, je pense que je vais être en négatif là. Argent, zéro. Expérience, zéro. Ouais, je pense que moi, ça va être en négatif. Cucu! Voilà, alors, puisqu'on a fini, il est temps de faire un petit peu le bilan de ce qu'on aurait à faire sur ce jeu, sachant que sur le jeu, bah, tous les DLC qu'on avait tous les DLC payés, j'entends pas les modes, hein, parce qu'il n'y a pas de mode, et ben on a parcouru à peu près tous les pays. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte, hein, vous allez voir. Là, on peut pas mentir, hein, entre guillemets. On n'a pas oublié, normalement. Normalement, on a fait à peu près toute la carte du monde. Alors, je vais vérifier quand même qu'on a bien fait tous les pays, parce que si c'est pas le cas. Donc, on a fait l'Italie, on a bien fait la Suisse, on a bien fait... l'Autriche, on l'a fait vite faire. Alors, la Roumanie, ça c'était Istanbul, là, tout ça, la Turquie, ça s'est fait aussi. La Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie. Après, les trois pays, la Lettonie, on les a fait aussi. Il y a même un bout de Russie, hein, avec Saint-Pétersbourg.
Il y a la Finlande, il y a la Suède, on l'a fait, la Norvège, le Danemark, c'est bon aussi, les Pays-Bas, la Belgique, la Luxembourg, on n'a pas fait. Ici. Non, bah non, Luxembourg, on n'a pas visité. Moi, je suis pas passé au Luxembourg. Je suis passé entre Metz et le Luxembourg, et plus proche de Metz que du Luxembourg, mais je ne l'ai pas touché. Donc en fait, le premier trajet, on n'a pas fait. Non, le premier trajet, Luxembourg. Le premier trajet, on n'est pas parti dans Angleterre. Non, on est jusqu'à Calais, on a fait Rennes-Calais, et après Calais-Angleterre. D'accord. Bah, il était prévu à un moment, ouais, bah, on l'a. Ouais. Bah, on a raté le Luxembourg. On n'a pas fait le trajet prévu, normalement, c'était prévu que. Et bah, on a raté le Luxembourg. Voilà. Bon, c'est pas grave, tant pis. Hein, c'est... Oh, alors... Au pire, Luxembourg, c'est juste une ville. Hein. Enfin, en tout cas, dans le jeu. En vrai aussi. Oui, dans le jeu, c'est tu rentres à peine dans le Luxembourg, t'es déjà ressorti. Hein. C'est ça. Entre Metz non, et Bruxelles. Ah, c'est là-bas. Ah, quand tu rentres une femme. Hein. Voilà. On n'a pas été à Paris non plus au passage. Ça, c'est dommage. Non, mais on était en France, donc. Oui, on était en France. Mais on est passé à côté de Paris. On aurait dû s'arrêter à Paris, en fait, parce qu'on allait à Reims. Moi, j'étais à Reims. Eh ben, dans le prochain épisode. Alors, le prochain épisode, justement, j'allais y venir, parce qu'on en parle de ça. Je ne sais pas s'il y aura trop de prochains épisodes, enfin en tout cas, si on va poursuivre ou pas notre épopée dans le jeu, on peut faire d'autres choses pour la suite des épisodes, mais clairement ce ne sera pas notre tour d'Europe puisqu'on l'a fini. Si on en fait, potentiellement on va pouvoir faire un petit peu de mode, style pro-mode pour ceux qui connaissent. Mais t'as pas montré le travail de Kaya? Si. Eh ben on y a été à Paris alors. Bah non, parce que je le vois. Mais si, parce que ça sauvegarde. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas sauvegardé puisque c'était un mode, exact. Mais par contre, on n'a pas été au Luxembourg, ça n'empêche pas. Voilà. Moi, on était à Paris, mais pas au Luxembourg. Après, c'est pour ça que je disais rien. Mais... Ok. Donc ça c'est ok pour Paris, mais ouais, le Luxembourg c'est mort. Et donc, du coup, pour les prochaines vidéos, comme je disais, on peut faire du pro-mode. On peut faire au moins une vidéo potentiellement. Non. Si on en fait plein, ouais, on va pas être rendu. Je sais pas si ça vous intéresse. Alors, le pro-mode, c'est beau, hein. Ouais, je sais, donc peut-être qu'il faudra qu'on en fasse une quand même au moins pour présenter le truc. Après, est-ce qu'on en fait d'autres? Ça, c'est une bonne question. Derrière. Peut-être en faire une, voilà. Sinon, bah écoutez, ce sera la dernière vidéo, ça en tout cas normale pays, de ce display. De manière normale. Et possiblement, peut-être qu'on pourra en refaire, mais avec les modes ibériques, tout ça. Mais ce sera plus tard aussi. Voilà. Parce que là, nous, on l'a pas encore le mode ibérique. Peut-être qu'à la fin, justement, de la publication de ce display, peut-être qu'on l'aura. Parce que c'est vrai que ça peut venir vite. Hein. Il y a des fois, c'est des promos qui arrivent rapidement. Puis. On obtient des clés, des fois on obtient des clés aussi, donc c'est possible. Pas sûr, mais c'est possible. Et puis il y a aussi un mode, enfin il y a aussi un DLC, pardon, Russie. Faudra voir aussi si on le fait. Voilà. Alors bon, moi bref. Je suis à tous les rables, hein. Moins 15 donc, pour 000, le moment, nous on le met entre guillemets le let's play normal un peu en pause, mis à part pro mode peut-être. Donc on verra si on prend ensuite par la suite. Voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées dans les commentaires, hein, si on peut faire des séries spéciales sur des modes ou ce genre de choses. Vous n'hésitez pas, c'est toujours intéressant à savoir. Et nous, du coup, bah, on n'a plus qu'à se remercier déjà pour commencer. En tout cas, je vous remercie, vous, pour avoir fait autant de trajets avec moi. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye.